les gens m'offrent des messages que je transforme en banderoles et qu'ils vont installer sur leur balcon pour que leur balcon puisse parler aux passants alors que eux sont confinés à l'intérieur. Merci. Ah oui, je t'ai écrit. Une dame de Montréal qui m'a écrit pour me dire que sa maman de 92 ans est en France en train de mourir. Évidemment, elle ne peut pas y aller. Donc, elle voulait une banderole qui disait « Bon voyage, maman chérie », qu'elle va accrocher sur son balcon ici à Montréal pour aider sa maman à partir. Ah. La poésie dans la rue, au vent, devant chaque maison, on ne peut pas trouver quelque chose de plus inspirant que ça, parce que ça met tout de suite un sourire. Moi, chaque fois que j'en vois une, je m'arrête, je me dis « Oh, c'est une merveille !»